Rococo. Allez, on se retrouve pour la fin du petit album. Donc, j'ai pris un morceau de papier de 11, si ma mémoire est bonne. Donc, 12, 13, 13 sur 20. Donc, 13 sur 20. Et sur les 13, on plie à 2. Et toujours pareil, dans passe-moi photo. De 18 par 11 et sur le 18 on plie à 2 comme d'hab. Donc le rabat, on va le mettre à droite. Je biseaute pas parce que comme il est plus petit que ma page, ça se verra pas. Je vous le mettez au centre. Si je centre un peu. Voilà. Et à côté, on va mettre celui-ci au milieu. Ici, sur le côté gauche. Voilà, ça, c'est tout. Alors, pour ce petit bout-là de 13, ça fait 11. 11 sur 20, hein, on est d'accord? 11 sur 20, donc je prends mon massicot. Ça m'a fait 19,5. Hop! 19,5. Sur 10,5. Voilà pour celui-là. Et pour celui-là, je pense qu'il va falloir recouper parce que j'aurais peut-être pas assez exact. On va recouper un petit peu. Donc ça fait 15,5 toujours. 15,5. Là j'ai les morceaux, c'est le même. Je crois. Enfin, peut-être qu'il est plus grand celui-là. Non, c'est pareil. Je vais pas aller en longueur, bien sûr. 15,5. Sur. Alors 15,5 sur 10. Je vais enlever 0,5. Ouais, ça fait un peu petit. Un poil. Un chouïa. Tac, on est pas mal, hein? On va dire ça comme ça. Donc ça, c'est la page numéro 19. Il reste la dernière. La page numéro 20. Alors, la page numéro 20, j'ai fait 4 emplacements photo. Donc. On a deux. C'est que des photos horizontales. Donc ça fait 16. 16, je le sais là, oui. Donc 16 sur 13. Alors 16 sur 13. Donc vous pliez à 11, en fait, c'est pas compliqué. Vous pliez à 11 et vous coupez à 13. Donc il me faut une. Il faut du papier. Hop là-bas. Thank you.
dit 16 sur 13. 16. Et sur les 13, marquer les plis à 2 cm. Une. Alors, toutes les styles un peu cascades que j'ai faites, la dernière notamment, j'ai oublié de mettre le papier déco. J'ai oublié de mettre le papier, j'ai oublié complètement. La boule. Je me suis aperçue après en regardant la vidéo. Je lui ai dit, mince, t'as oublié le papier déco. Ne vous inquiétez pas, je le mettrai après. Je ferai les petites pochettes comme on avait fait pour la première. Il en faut 4 et 4. Voilà. La première petite cascade qu'on avait faite. Donc on va se mettre à l'endroit. Tant qu'à faire. Hop, j'ai un moustique. Ou un moucheron plutôt. Trois. Et enfin la dernière. Quatre. Ça pourrait les mettre en quinconce. Donc je vais en mettre un en haut. Je ne biseote pas parce que mon papier est plus petit que ma page déco. Donc un en haut à gauche, donc le plus à gauche possible. Et en bas à droite. Le plus à droite possible. Donc, un en bas à droite. Et en bas côté droite aussi. Et en haut, côté droit, côté gauche, pareil au maximum que je puisse mettre. Voilà. Voilà, comme ceci. Donc à droite, à gauche, comme ça. Alors, pour la place, je mets des photos. Donc en tout dans l'album, on peut mettre une bonne quarantaine de photos. Hein. Alors pour l'habillage de celle-ci, c'est pareil. Je pense que je verrai après parce que malheureusement, je ne vais pas avoir assez de papier. Donc je vais peut-être jouer. Il me reste ça. Et en fait, si je plie, si je coupe, pardon, c'est toujours le même problème. Je coupe à 10,5. La largeur, c'est pas un problème.
Et après, à la hauteur, je dois être 15-25, donc ça fait 6 pouces comme d'habitude. J'ai fait deux papiers comme ça, donc je vais prendre celui-là. Ça c'est pareil, c'est les papiers de chez Action. Ou chez Action ou chez Walt Lidl, je vais trouver ça. Peu importe. Ils sont très épais. Oh, ils sont bien collés. Et ils sont assortis. Donc 15 et demi. Parce que toutes mes cascades, je rejette toutes mes cascades et mes rabats, je n'aurai jamais assez de papier pour les doubler. D'ailleurs, je n'aurais pas découpé à 15 et demi. J'aurais découpé à 6 pouces pour faire comme le reste. Pour faire comme les autres. Et après, on a dit 10 et demi. Voilà. Donc, on va tâcher d'utiliser la bestiole. J'espère qu'elle ne nous fasse pas un truc nerveux. J'essaie de la manipuler avec douceur. Et enfin, le dernier petit bout. Alléluia. Donc, on colle. Donc, je prends les papiers déco pour mes emplacements photo à la verticale. Hein. Parce que mon dessin est à la verticale. Donc c'est un petit peu plus grand, mais c'est pas grave. Bon, ça ne me dérange pas tellement. Et d'une. Hop, petit papier déco. Deux. Celle-ci, on va le faire dans l'autre sens. Voilà. Comme ça, ça finit bien la... Ça finit bien l'album. Trois, et la dernière. Ici. Donc ce papier, il m'en reste pas mal de pages. Papier neutre, comme ça. Je vais tâcher de les utiliser pour tout ce qui est... Quand il y a beaucoup de cascades ou beaucoup d'empassements comme ça, ou pour l'arrière, pour les papiers, certainement. Hop, je parote. Voilà, je crois qu'on est pas mal, hein. Tac. Et tac, c'est pareil pour la fermeture, on verra après. Donc ça, c'est la page numéro 20. C'est la dernière, on va s'arrêter là. Je récupère. L'album, alors la couverture, je sais pas du tout ce que je vais faire encore. Parce que du coup, en papier déco, ben, j'ai plus rien. Donc, c'est pas compliqué. Donc, j'en ai plus. Donc, faut que je cherche ailleurs. Je trouve un nouveau bloc. On va coller les pages. Alors, pour coller les pages, je vais coller directement sur la reliure. Et après la reliure, on la collera sur l'album. Donc, les pages, c'est pas compliqué. Je vous fais voir une ou deux. Et puis après, je.
Ouais, si vous le faites tout seul. Donc tout ça, on va biseauter quand même un petit peu. Voilà. Le premier page, c'est pas compliqué. Je me fie au pli. Hein. Donc j'encolle cette partie-là. J'enlève le surplus parce que je ne veux pas que ça bave partout. Et je me mets selon le pli. On peut me mettre comme ça aussi, vous voyez, pour sembler la page. C'est tout, rien de compliqué. La deuxième, c'est pareil. Je marque bien mon pli. Je colle ma page, je fais le papier. Petite languette de collage. On peut vous mettre comme ça, c'est peut-être plus facile finalement. Alignez bien votre page sur le pli. Voilà. C'est pas très compliqué, donc je continue, je monte mes 10 pages, je colle mon papier déco avec quelques aimants à rajouter de ci de là, et puis je vous retrouve pour la présentation finale. Voilà, donc on a quand même bien avancé, je suis contente, c'était un petit peu long, c'est certain. Enfin, il y a quand même 20 pages, hein, donc voilà. Alors après, dans l'ordre exact où je vais les mettre, je sais pas, faut que je regarde par rapport au papier déco pour pas que de doublons. Que deux fois à côté le même papier, parce que comme après j'ai repris le même, donc je monte tout ça et puis je vous retrouve plus tard, demain certainement ou dans la nuit, va savoir, pour vous présenter donc l'album au final. Je vous souhaite une très très bonne soirée, une belle semaine en perspective. Attention à vous parce que on est en alerte orange météo, donc faites attention à vous par rapport à la pluie, aux inondations et aux tempêtes. Soyez prudents, prenez soin de vous et passez une très bonne semaine. Je vous retrouve plus tard pour la présentation. Et puis après, on fera notre tuto, quelque chose de très rigolo et de très différent. Allez, au revoir. Merci.